Bah, tu veux des coups de marteau, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se focaliser sur Montpellier parce que c'est le match le plus important. Je pense qu'on a une mission à terminer, celle de sauver le club et de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le reste, ça sera que du bonus. Et il faut rester concentré sur cet objectif. Et le staff avec le coach font en sorte que ça se passe dans ce sens. On a beaucoup travaillé cette semaine. On a récupéré pas mal de blessés par rapport aux dernières semaines. Donc voilà, on va essayer de mettre en place ça dès ce week-end pour voilà, au mieux préparer les échéances qui nous attendent. Alors cette trêve, on a l'impression que vous en aviez quand même un peu besoin parce que physiquement, l'effectif avait l'air d'être dans le dur les derniers matchs. Ouais, physiquement, on a vu qu'il y a eu certaines blessures qui se sont déclarées, certaines fatigues aussi mentales. C'est vrai que depuis quelques temps, on a tiré un peu sur la corde, on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Même si c'est vrai que c'est pas encore assez suffisant, il nous reste encore une petite marche à gravir pour atteindre notre objectif. Mais je pense que oui, on en avait besoin. Ceux qui sont partis en sélection, ça leur a fait du bien. Nous, on a eu nos jours de repos qu'on a peut-être bien mérités. Mais voilà, maintenant, il faut repartir dans la dernière ligne droite pour atteindre l'objectif que tout le monde s'est fixé. Et voilà, le plus important vraiment aujourd'hui, c'est que le club puisse repartir la saison prochaine en Ligue 1. Pour ça, Mathieu, est-ce qu'on peut considérer que c'est quand vous serez parti au match et qu'à Montpellier, vous rentrerez vraiment dans ce match-là et que là, la coupe va un peu disparaître? Le meilleur moyen de préparer la coupe, c'est de faire un gros match contre Montpellier et de ramener au minimum un point. Je pense que si on se focalise que sur le match du PSG, on fait fausse route. Aujourd'hui, le groupe en est conscient. Et voilà, demain, on est 100% concentré sur l'objectif de Montpellier. Après, bien sûr, il y a une effervescence autour de la coupe qui est bien sûr normale. Mais voilà, il faut arriver en tant que professionnel à gérer ça. Même si c'est vrai qu'on est un groupe jeune, mais on est quand même bien encadré. Donc aujourd'hui, on a fait en sorte que tout ce qui a un rapport avec le match de coupe, la Ligue, billets d'avion, place et tout ce qui va avec soit réglé pour se concentrer sur le match qui arrive ce week-end. Parce que, comme on le dit et comme on le répète, le plus important aujourd'hui, c'est que le club soit en Ligue 1 la saison prochaine. Et c'est malheureusement pas encore fait, même si on avait pour objectif de le faire avant la finale. Aujourd'hui, on a des matchs de championnat qui vont être pas plus importants, mais qui vont avoir beaucoup de valeur par rapport à notre fin de saison. Donc aujourd'hui, voilà, le championnat est primordial. Est-ce une question peut-être à Mathieu. Ce match, vous verrez à la télé, il vaut mieux qu'il perde ou qu'il gagne Paris dans l'optique la semaine prochaine? Peu importe, c'est vrai qu'ils ont des échéances importantes aussi. On sait que trois jours après nous, ils jouent un match de Ligue des Champions qui sera primordial aussi pour eux. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont plus habitués à nous que nous par rapport à ces grandes échéances. Mais après qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, personnellement, ça aura à mon avis aucun effet sur le match contre nous.